Wesh, 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 les petits loulous, nous sommes le lundi 26 juillet de l'année 2021. Alors, j'ai sous les yeux un courrier que j'ai donc daté Nantes le 21 mai 2019. Ça a été envoyé par ligne financière, notification de transfert de compte. Monsieur Stocker, nous vous écrivons pour vous informer que la gestion de votre compte est transférée de Paris Contentieux à ligne financière SAS, montant de la créance 5373,28 euros. Vendeur, banque Accord SA, numéro, référence, etc. C'est signé, il n'y a pas de nom, ligne financière. Vous pouvez les joindre au 02 72 24 29. 40. Alors, merci Dominique Michel. Il y a un double délit en faisant un crédit revolving. J'ai créé de l'argent. C'est de l'argent que je devais, mais la loi est très claire à ce propos. C'est Dominique Michel du syndicat de lutte contre les banques qui m'en a informé. Alors que j'étais en cours sous curatelle, et que c'était à mon curateur de le faire, si pendant 2 ans on n'a pas pu payer une échéance, la dette est effacée, elle est frappée de forclusion. C'est très technique. Double délit, c'est de l'argent que j'ai créé, donc c'est de l'argent que je dois, mais qui est à moi. En aucun cas, Banque Accord a le droit de la revendre. C'est du vol. Et de la part de Ligne Financiale, c'est tout simplement une tentative d'extorsion de fonds. Et du recel. C'est donc des délits. J'ai 5 ans pour porter plainte. Vu que c'est daté au 21 mai 2019, plainte sera adressée demain par lettre recommandée avec accusé de réception au procureur de la République du tribunal de grande instance de Strasbourg. End of. Ah, oh, oh, attention. Wow. Ah, je vais me faire interner. Ah, ils vont m'interner avant, là, avant que je puisse porter plainte. Là. Ah, les psychiatres vont m'interner.